Bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Et à quel point j'avais hâte ce matin de me lever et de me préparer mon café de licorne. On dirait que je suis pas capable de le dire autrement. C'est comme tellement merveilleux. Il est excellent, excellent. Je l'aime beaucoup. Vous aimez le café corsé, c'est sûr. Il sent extrêmement bon. C'est ça, c'est un corsé et épicé comme je vous disais. Puis vraiment, là, il est excellent. Je l'aime vraiment. La deuxième chose que j'avais vraiment hâte, c'était de faire brûler ma chandelle. Donc, elle brûle. Elle brûle. Mon chum dit que ça sent bon. Et la troisième chose que je voulais faire ce matin avec mon café, c'était de faire ma planification des repas parce qu'on n'a pas fait l'épicerie. On n'a pas fait l'épicerie encore. Puis, ben c'est ça, je voulais faire ma liste là, de choses qu'on pourrait manger cette semaine avec ce qui me reste ici puis ce que je voudrais acheter là, pour manger ça. J'avais sorti mes anciennes recettes cette semaine, je ne reçois pas de cookies. Il n'y avait pas de recettes qui m'intéressaient. C'était des recettes avec, il y avait beaucoup de porc, je pense, du poisson, puis du tofu, c'est des choses qu'on mange pas vraiment, fait que je pense qu'il y avait une chose qui m'aurait intéressée, je pense, c'est les smoke meat. C'est la seule affaire, puis moi, encore là, je trippe pas smoke meat. C'est vraiment Jonathan qui trippe ses smoke meat. On dirait que je suis floue. Ajustez pas votre appareil. Ouais, fait que c'est ça. On mange pas de porc. Pas que ça avait l'air bon, là, mais tu sais, on n'aime jamais. Je vais vous revenir, là, je suis trop flou. Salut tout le monde! Alors, il est 10h52 et en gang de petits fous qu'on est, je te dis! On s'en va faire des petites commissions, probablement épicerie. Jonathan va s'entraîner avec ça, à travers ça. Puis moi, ben, je vais faire les commissions là, qu'on a besoin pour la semaine, les repas et tout ça. En vue d'un petit meal prep, j'aimerais vraiment ça être capable d'en faire un. J'essaie de penser à mes sacs réutilisables. OK, fait qu'on est party, mon kiki. Puis là, j'ai mis ma nouvelle tunique. Je la trouve assez belle, là, de Walmart à 20$. Celle de mon amie est comme rouille, elle est encore plus belle, mais là, moi, je me suis contentée de ce qui restait. Alors, voilà tout le monde. On est avec Ophélie, Oscar et Marcus et Philibert. Donc, on a pour but de trouver un manteau. Un petit manteau à hausser. On va aller voir ça chez Winners. Ophélie, elle va chercher un petit manteau. Ben, c'est plus moi, là, parce qu'elle mettait le manteau à son père. Puis je trouvais que ça avait comme vraiment pas de bon sens. Là. À un moment donné, il y a toujours des limites. Là. Hein? À mettre la neige à son père. Malgré que j'ai déjà fait ça, moi aussi, mettre la neige à mon père, je m'en souviens. J'avais la même âge qu'elle. Je suis connectée sur le. Parce que tu te connectes automatique. Fait que je sais c'est quoi. Mais tu sais, quand même. Ouais, bonne idée. Ça traîne. Là. J'avais mis les sacs de friperie dans le coffre, puis là, ben, ça fait comme une semaine que ça traîne là. Puis là, on va aller porter. Donc, je vous dis. Il rentre 3 heures. Ils sont bons. Je vais vous montrer nos achats. Ça sera pas net. Trop. Ça sera pas bien là. Comme je vous disais, je voulais acheter un manteau à Ophélie. Je voulais pas payer cher. Je me suis fait avoir. Ophélie, tu montres ton manteau? Ah oui, j'ai cherché. Ensuite, on est allé, c'est ça, on l'a pris chez Sport Expert. On a vraiment fait le tour, là, tu sais. Puis ce que je trouvais cher hier, ben j'ai encore payé plus cher aujourd'hui. Mais tu sais, il est vraiment beau. Vous savez comment ça fait? Donc, on s'est acheté ce manteau, Mike, là. Fait vintage un peu là, il est vraiment beau. T'es belle.
Ensuite de ça, papa s'est acheté ce chandail-là, Nike, comme toutes les autres qu'il y a déjà. Me montrer! Dans le blanc. Me montrer! Je veux être visible! Non, bébé! Oui. Tu veux pas ton lait? Mais là, c'est assez, là. Mais tu peux pas toutes les voir. Hein? Oui, il va en ville. OK. Je sais pas. Je vais vous montrer. J'ai surtout acheté des choses pour la de bois, dans le fond. Donc, je vais vous faire mon haut d'achat. Je vais m'installer. On s'en fait tantôt. Salut, salut. Je vais commencer tout de suite pour finir. J'ai fait Walmart Super C Provigo aujourd'hui. J'aurais pu faire des imbattables, mais ça ne me tentait pas vraiment d'aller chez Maxi, on va dire. Ça me tentait pas. Fait que j'aimais mieux faire mes places une après l'autre. Je vais commencer par Super C. Là, j'ai comme tout pris ma liste que je m'étais faite là, avec les repas que j'avais choisis cette semaine. Ah, je vais vous montrer ça. Je veux faire ma sauce à spag, donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire la sauce. Je veux faire des petits pâtés, des petits feuilletés, comme au poulet, mais au saumon pour Elliot, parce qu'il m'en a demandé, mais moi aussi j'adore ça, là, des pâtés au saumon. Tout le monde aime ça, sauf Jonathan aussi. Ensuite de ça, je veux faire la recette, je pense que je vous l'avais dit, non, pas grave, de croquettes à la mexicaine, des galettes de bœuf à l'asiatique, et le bol de poulet général Tao. Alors, c'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté ce qu'il fallait pour faire tout ça. Puis je vais faire des barres tendres également. Et probablement un caramel salé aussi. Alors, c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Puis aussi, c'est vrai, je vais faire un couscous. Non, non. Cette semaine. Donc, chez Super C, j'ai acheté des petits pois mange-tout. J'ai acheté des graines de chia. C'est la première fois que j'en achète de toute ma vie. Pour mettre dans mes barres tendres. Ensuite de ça, j'ai acheté de la farine de maïs. Dans le fond, je crois qu'ils prennent ça. Ben, je crois parce que je trouve que ça leur ressemble vraiment beaucoup là, à la polenta que Cookit nous envoie pour faire les croquettes. Dans tout cas, la panure. J'ai acheté aussi, il y avait le poulet qui est haché comme ça, en spécial à 4,99$ le paquet. J'en ai acheté deux. Dans le fond, j'ai acheté deux livres. J'ai acheté deux sidekicks crème sauce boulette. J'ai acheté de la pâte feuilletée pour faire les pâtés au saumon. Il n'y en a pas partout, fait que là, j'en ai profité. J'ai acheté deux paquets. C'est 2,99$, c'est pas tellement cher. Les biscuits Christie étaient en spécial. Puis là, j'avais le goût, l'automne est arrivé, d'un bon petit biscuit à la carotte. J'ai acheté ceux-là. Ceux-là. Et ceux-là, on n'y a même pas goûté la dernière fois. On a acheté l'autre fois, hein? Tu avais-tu goûté, toi, finalement? On va voir l'autre. Ils sont bons? Fait que. Enrobé de chocolat? Ouais. J'ai acheté ceux-là. Enrobé de chocolat. Et puis, j'ai acheté 4 paquets de petites vanilles comme ça, là. Des petites gaufrettes. C'est toujours bien gagnant. Puis c'est 1$. C'est vraiment pas cher. Les enfants adorent ça. J'ai acheté ça. Ensuite de ça, j'ai acheté des épices à sauce à spag. J'ai acheté du fromage pour essayer mon mon sarin à la cire d'abeille. J'ai acheté du fromage en grains parce que j'ai l'intention de faire un pâté chinois gratiné. T'en penses? On a beaucoup de fait caché en bas. Et ça serait très bien pour un repas cette semaine. Qu'est-ce que t'en dis? Ou une poutine, n'importe quoi. J'ai acheté du fromage mozzarella. Ouais, ça fait longtemps. J'ai acheté du mozzarella cima comme ça, il est en spécial. J'ai acheté du feta aussi comme ça pour notre couscous à mon pofélie. Et je pense que c'est tout ce que j'ai acheté chez. Moyen, on va te le dire. Super. De retour! Alors, chez Provigo. J'ai acheté le poulet qui est en spécial. Je l'ai acheté chez Super C, mais il était pas beau. Il était moins bien paré, je trouve, que chez Super C. Fait que j'en ai acheté juste deux paquets pour faire mes recettes cette semaine. Ils tombent souvent spécial. Puis j'ai acheté un paquet de haute cuisse de poulet également. J'ai acheté un petit peu de gingembre pour mes recettes.
un 4 litres de lait, bien entendu. Pour ma sauce à tag, moi, je ne coupe plus mes légumes depuis un bon petit bout. J'achète toujours les légumes en sac comme ça parce que je ne vois pas de différence. Et la sauce est toujours très bonne. J'ajoute des champignons. Mais cette fois-ci, je les ai achetés en canne. Je sais pas si je vais les mettre. On va voir comment je filme. Mais c'est ça. J'ai acheté deux cannes de champignons. J'ai acheté ma super crémeuse à l'érable, la sauce, la vinaigrette pour la salade. Nouvelle-Orléans est écœurante. Puis là, il n'y en avait pas la dernière fois chez Maxi. Puis Mopopelli, on l'adore. J'ai acheté quatre petits jus comme ça. Minute Maid à la canneberge. Il était à 46 sous en liquidation. Elliot, il y a comme un trip de ce temps-ci. J'ai acheté des carottes pour mes recettes et deux concombres, comme ça. Alors, c'est ce que j'ai acheté chez Provi. Je vais me ramasser, encore une fois, et je vous reviens après la pause. Ah, vous êtes là! Le classique. Ah, j'avais oublié de vous dire, chez Superstar, j'ai acheté de la chapelure Panko aussi. Mais oui, les bébés se réveillent! Je vais aller nourrir. Je vais vous revenir tout à l'heure. À tantôt, les amis. Vous avez trouvé ça drôle, vous autres, là, de me faire des tours avec les cannes? Ça va tout tomber. Hey, là, j'ai pensé à quelque chose. Comme j'ai parlé de ça sur Instagram ce matin. Puis je trouve vraiment que j'ai eu une bonne idée, sérieux, parce que je parlais de Cookit, comme de quoi je l'avais pas. C'était la semaine prochaine, mais que ce que je voulais faire, c'est des recettes Cookit. Ça, je vous l'avais dit. Mais j'avais le goût de séparer, dans le fond, ce que j'aimais de Cookit, c'était que tout était déjà prêt à être à être cuisiné. Donc je me suis allée me chercher les bacs que j'avais en bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le plus de stock possible dans mes bacs pour faire le repas. Dans le fond, comme ça ici. Vous comprenez le principe? Moi, j'avais du riz au jasmin que j'avais fait cuire cet été. Je l'avais congelé, donc là je l'ai sorti, je vais m'en servir pour mon général Tao. Quoi, mange tout, carottes, jambes. Après ça, les sauces, ben ça reste les sauces que je peux les utiliser. Ouais, c'est ça, je vous ai dit d'arrêter là. Ça, les gars jouent avec ça. J'ai le bébé dans les bras, j'ai envie de pipi, ça va pas bien. Je vous remets encore sur toi, non, excusez. Fait ouais, c'est ça. Donc avec ma recette de général Tao, je mets comme tout ça dans le bac. Là, ce que je vais faire, je vais séparer ma viande pour la placer dans le bac aussi. Comme ça, je vais arriver. Ça va être comme les sacs cookies que je recevais. Je vais prendre le bac ce soir. Je vais, ça sera pas long. Je vais préparer ça. Je suis fière de moi. J'ai une bonne idée. Fait que je saute plus. J'ai ma tête de tondu de gazon. Là, faut que j'aille changer tondu de gazon. Hein, je parle-tu bien un peu? J'ai tondu la pelouse. Puis là, les enfants, c'est le bordel. Je vais faire le souper à travers ça. Il me restait. Il me restait du mélange comme ça. C'est un peu. Comment je fais dire? J'ai mis la pâte au poulet, je vais mettre ça sur les pizzas pour faire ça, sur les pains man. Fromage au four, puis ça va être notre souper. Donc, on se fait attendre tout le monde. Vas-y, fais un beau château! T'es dedans, ben bon! Wow! On peut faire ça en tout. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça en tout et les rabattre. 1, 2, 3, 4, 5. Oh!
retour au travail, tout le monde. À la routine, ce matin, ben c'est ça, je suis levée quand même depuis tôt. Là, ben je fais mon ramassage ménage habituel. Il est 9h20 avec tout ça. Pas fait grand chose, on va vous dire. Hein? C'est tout le temps ça. Mais là, je voulais vous montrer parce que j'avais parlé que j'avais acheté le détachant pur, celui-là ici. Puis là, j'ai vraiment, j'en ai vraiment taché. Puis ce que j'ai remarqué, dans le fond, j'en avais déjà parlé, mais je ne suis pas encore rendue dans mon blog. C'est que pour les taches, les vieilles taches, ça fait moins bien, mais pour les taches fraîches, là, qui n'ont pas été encore lavées, là, ça fait super bien. On va l'essayer ensemble, je vais vous montrer le chandail, comment est-ce qu'il est sage. C'est quasiment une annonce. C'est quasiment exagéré. Fait que là, j'ai des taches de je sais pas quoi, un peu partout, là. Hein, on voit bien qu'il est très sale, mais en arrière, là. Ça, c'est mon beau Enzo, ça. Hein? Et voilà! Fait que c'est ça. Fait que je fais juste le scoutch-coucher en fond partout. Fait que je l'ai vraiment bien aspergé partout. Fait que caca? Pipi? Fait que quand il va être lavé, je vais vous montrer le résultat final. Là, les gars m'ont foutu le bordel encore une fois dans la chambre des grands garçons. Fait que ça va que là, il est 9h20, il faut que je le fasse à 11h30. Sinon, ça va être la crise. Là, ils ont joué dans les bonbons, tu sais, ils sont... C'est ça l'enfer. Regardez-moi, ça pue tellement ça. Ça. N'importe quoi. Fait que c'est ça. Je lâche prise, hein, là-dessus. La bouffe pis tout, je sais que c'est pas l'idéal, mais là, que voulez-vous? J'ai pas le choix. Fait que je m'y mets. Ça m'y ramasser. Moins pire que c'était. En tout cas, au moins, il n'y a plus de chip à terre. Hein? C'est ça que ça fait. Je fais juste comme reculer. Tu sais, j'ai bien beau me mettre une liste de tâches, là. Ça me donne rien de faire ça parce que je peux même pas m'en tenir à ma liste. Donc, le bébé pleure. On descend en haut. C'est ça qui arrive, hein? Il est démarré. C'est vraiment étonnant. Là, je me suis pris. Enzo, il y a tout le temps de la gomme. Je m'en suis pris. Donc là, je vais faire ma sauce à stand. Ça sera pas aujourd'hui, c'est sûr. En tout cas, je vais essayer d'en faire le plus possible. Du mieux que je peux. Puis le reste, ben, hein, on a toute la semaine, sauf jeudi. Jeudi, j'ai vraiment une grosse journée. Grosse journée, grosse soirée. Fait que c'est ça, tout le monde. Je m'en vais allaiter. On se reparle tantôt. Ma brassée vient de finir. Je viens de me mettre un caramel salé sur le rond. Et là, je voulais vous montrer le chandail blanc. OK, oui, il y a des vieilles taches qui étaient déjà là, c'est sûr. Ça n'a pas parti, mais le rouge qu'on voyait, là, tout a parti quand même. Je suis pas mal impressionnée. Tu sais, c'est sûr que ça, ça date pas d'hier, là, la manche brune. Mais bon, tu sais, le gros, là, qui était vraiment, vraiment, vraiment sale, a disparu. Donc, c'est un bon achat. Bien contente pour 4,99. J'ai hâte de voir comment ça va me coûter, comme je vous disais, de remplir, mais à date, là. Pizza! Essayez de prendre une photo avec des enfants. C'est comme faire le ménage. On y arrive pas, tout simplement. Ouais, hop, et aïe! Il est temps. Mon petit boulet. Mon petit burrito. Bon. C'est encore, il veut boire tout le temps la midi. Alors je vais le mettre dans le porte-bébé. Là, c'est encore le bordel. J'y arrive pas, sérieux, j'y arrive pas. Ça me décourage à quel point je suis pas capable d'y arriver. Fait que je vous reparle tantôt. C'est ça quand je vous dis que j'y arrive pas, là. C'est pas des farces que je fais. Oscar, c'est pas pour te laver. Sors de là tout de suite. Tu vas te faire des bobos à tes pieds. Je t'aboute. C'est tout lustré à terre parce qu'ils ont tellement joué dedans. Ils en ont mis partout. Ah mais sors là, je te dis. Oh. Priez pour moi. J'ai fini d'allaiter. J'ai pu cocher une autre affaire sur ma liste d'aujourd'hui, dans mon petit
le déjeuner nourriture à Alma qui a lieu le jeudi cette semaine. Ça va déjà passer quand vous allez voir ça. Je pourrais même aller me laver les cheveux si je serais vraiment hot, mais ça me tente pas vraiment de me coucher les cheveux mouillés. Fait que je vais essayer de les laver demain. Parce qu'en plus, je sais pas si je les lave demain ou mercredi, parce que demain, je fais ma sauce à spag, ça va sentir fort. Fait que je suis pas sûre que ça me tente. Je vais essayer de faire un petit peu de vaisselle. J'essaie de ramasser le plus possible aussi. Pour ne pas avoir trop de ramassage à faire demain matin. C'est ça qui me retarde aussi, mais je veux pas. Tu sais, quand que je commence déjà par ramasser, faut que. Quand je commence ma journée en ramassant la veille, tout c'est pas. Pratique, mon affaire. Après. Et sinon, ça s'est super bien passé la soirée, les seigneurs. Je suis super qu'elle passe un bon été. Je suis vraiment contente. Les bébés, ils n'ont pas été durs à coucher. Ils étaient brûlés. Mais aujourd'hui, ils ont été crasses là, toute la journée. Ils n'ont pas arrêté les mosses de petit amant. Je vous dis, là, c'était quelque chose à quel point que ça n'arrêtait pas. Là. C'était une affaire après l'autre, tout le temps, tout le temps. Ils étaient vraiment tannants. Mais bon, pas grave. On a passé au travers. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai vraiment bien travaillé. Faut bien s'encourager, hein? Mais là, j'ai jamais eu autant envie d'avoir un agenda de toute ma vie. Sérieusement, on dirait que là, j'ai le goût d'écrire c'est quoi qu'on va manger aujourd'hui. J'ai le goût d'écrire les tâches que j'ai faites spécifiquement. Puis, il me semble que ça m'aiderait à être plus organisée, vraiment. Mais c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir cette envie-là d'avoir un agenda. Que voulez-vous? Je suis de même. D'un coup, ça me pogne. Fait que là, ça m'en prend un, hein, vous comprenez? Il va falloir que je me cherche un agenda. Puis j'en ai vu des beaux en fin de semaine, justement. De la compagnie Pomme F. Un peu style bullet journal. Mais tu sais, moi, je suis pas la fille patiente pour faire ça. Puis en plus, j'écris tellement mal. Puis j'ai aucun talent de dessin. Genre zéro. Fait que c'est vraiment pas pour moi. Mais j'aime beaucoup le principe, je le trouve super intéressant. Puis eux autres, ben c'est ça, ils en ont fait un. Pour que le monde comme moi puisse avoir un bullet journal aussi. Fait que c'est merveilleux. Je vais regarder à ça. Donc c'est ça tout le monde. Là-dessus, je vais continuer mon petit ménage. J'essaie de pas finir trop tard. Il est déjà 9h, Jonathan est allé s'entraîner. Ophélie avait du karaté de 8 à 9. Finalement, son cheer, c'est à 5h30 jusqu'à 7h. Fait que Jonathan est allé la chercher vers 7h, puis il est allé la reporter au karaté tout de suite. Donc, c'est ça. Elle n'est pas bien encore. Pardon. Alors, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit. Puis nous, ben, on se reparle demain. Bye.